Il reste à moins de 2 ans à la Côte d'Ivoire pour achever son passage de l'analogique à la télévision numérique terrestre TNT et se conformer ainsi à la recommandation de l'Union internationale des télécommunications, UIT. Pour tenir le délai du 17 juin 2015, plusieurs actions sont menées conjointement par le ministère de la Communication et par celui de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Parmi elles, l'atelier national pour la transition numérique qui se tient en ce moment à Abidjan. L'occasion est opportune pour réaffirmer le grand intérêt que le gouvernement attache au processus de migration vers la TNT, parce que convaincu et conscient de ce que la télévision numérique incarne l'avenir. L'ambition de la commission de l'UEMOI est que cet atelier national d'information sur la transition numérique soit l'occasion d'accélérer au niveau de la Côte d'Ivoire les activités entrant dans le cadre de la transition numérique, notamment la rédaction des textes juridiques devant régir le paysage audiovisuel et la création de l'opérateur de diffusion. La Côte d'Ivoire est le 7e pays à bénéficier d'un atelier national de transition numérique. La télévision numérique terrestre attendue pour 2015 permettra aux foyers de recevoir beaucoup plus de chaînes gratuites ou payantes en haute définition, d'une meilleure qualité d'image et de son.